Je pourrais quasiment être un puppeteer, moi, là, là. Là. J'ai pris le temps d'avoir ça, c'est très bon. Du coke zéro. Bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Je bricole dans mon sous-sol. Et comme vous pouvez voir, hein, cette semaine, c'est notre spécial Halloween. Vous le savez, hein, c'est ma fête religieuse la plus préférée. Ouh, est-ce que vous avez peur, là? Là, est-ce que vous avez peur? Au cours des dernières semaines, on a reçu des courriels, hein, sur les internets. Puis là, ben, on me demande, Greg, moi, là, j'ai pas une scène pour aller acheter des costumes, là, flamboyants, là, puis c'est des transformateurs, du monde de la guerre des étoiles. Moi, là, j'aimerais ça que tu m'expliques comment est-ce que je pourrions peut-être me construire un beau costume pour pas trop cher. Bon, ben, crée-moi pas, on va faire un costume de Lego, hein? Ben oui, regardez, lui, il est plus gros. Hein? Tout le monde connaît ça, les Lego, là. Tout le monde en a déjà joué avec ou en a déjà avalé un, au moins, dans sa vie, tu sais. Bon, premièrement, là, ce que moi, je vous conseille d'aller vous procurer, là, c'est des cartons, là, qui vendent au magasin une pièce. Ils disent c'est une pièce, mais c'est tout de plus une pièce, mais bon, c'est comme des foams cartonnés. Il y a une vache avec des cornes. Essayez de trouver celle-là. Fait que là, ça, vous allez vous en procurer plusieurs, hein? T'as-tu voté conservateur, toi, au dernier? Non. Ouais, c'est ça, ouais. Deuxièmement, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on va faire la tête? Il va falloir que vous alliez dans une quincaillerie. L'affaire que vous allez vous procurer, c'est ça ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, il est marqué dessus. C'est du tube à forme. Voilà, comme ça. Pour être sûr que vous avez la bonne dimension de tube, hein, ben, testez-le. Il faut le tester. Timide, embarque dans le tube. Il doit faire un tour dans le tube. Hein? C'est pas un canon, je te jure. Il faut mettre votre tête dedans. Hein? Vous êtes peut-être mieux d'attendre qu'il n'y a pas trop de monde qui regarde parce que vous voulez pas que la sécurité vous sorte tout de suite parce que vous n'avez pas fini de magasiner, tu sais. Moi, c'est correct, ça. 10. Fuck, je paye. Fait que dépendamment de la grosseur de votre tête, hein, ben, vous allez acheter cela qui fit. Puis avec ce tube-là, on va pas juste faire la tête. Les bonhommes Lego, là, ça a des mains aussi, hein. Voyez comment que les mains sont faites? Ben, on va en faire aussi des comme ça, avec le tube. Là, vous allez dire, ben, Greg, mon tube, il est blanc puis il est noir, hein. Ben oui, si vous mettez ça sur votre tête, ça ressemblerait pas à un Lego. Vous allez ressembler à quelqu'un de construction qui a comme pas fini son cours, tu sais. Fait que, ben, une autre chose, vous allez vous procurer, c'est de la peinture. Un gros pot de peinture, là. Puis préférablement, jaune. Alors, une fois que vous allez avoir tous vos petits morceaux, là, ben, ça va vous prendre des outils. Premièrement, ça va vous prendre un crayon. Je vais vous suggérer aussi d'avoir une espèce d'équerre, hein, mais pas nécessairement pour savoir si c'est drette, mais plus pour faire les coupes. Puis, ben, pour faire les coupes, ça va vous prendre un exacto. Faites attention, là, pour vous couper un doigt, parce que là, l'Halloween va revirer vrai pas mal, hein. Si jamais, ben, vous n'avez pas d'exacto à la maison, vous pouvez aller parler à votre adolescent qui est au secondaire et lui demander un petit couteau qui apporte à l'école pour se défendre, hein? Bon, comme vous avez vu, hein, les bonhommes Lego, là, ils ont des formes. Il y a un rectangle ici, là. Là, ben, il y a la même forme en arrière, hein? Vous voyez bien, comme ça. Ça va vous prendre une forme ici sur le côté, parce que, tu sais, faut vous fitter dedans. Puis nous, ce qu'on va faire, hein, c'est un système que la porte en arrière, ici, là, le petit panneau, là, il va ouvrir pour que vous puissiez rentrer dedans. Eh bien, cette forme-là, là, on va la créer, hein, sur notre carton, ici, là. On a notre premier morceau, qui va être le devant. On en fait un deuxième. Et voilà, on a les deux morceaux pareils, le devant et le derrière. Bien là, ce que ça va vous prendre, vous allez prendre un morceau, puis vous allez faire un rond. Comme ça, puis ça va vous donner votre rond, vous allez venir coller sur le dessus. Le bonhomme Lego, là, il a comme une deuxième petite boîte sur la tête, hein, ici, là. Mais ça aussi, ça va vous le prendre. Fait qu'au magasin de pièces, vous allez être capable de trouver des petites boîtes rondes, là. Puis vous allez pouvoir venir la coller, hein, sur le dessus. Comme ça. Là, bien, une fois que vous allez avoir fait votre rond, hein, vous allez pouvoir vous en servir comme référence. Ceux qu'on va mettre sur les côtés de la boîte, vous allez pouvoir faire la même chose, faire un U ici en haut. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il faut qu'on rentre nos bras là-dedans. Hein? Donc, comme ça, on va faire une belle ligne. On va pouvoir les couper. Non, mais tu sais, c'est-tu pas fait exprès faire des costumes d'Halloween, ça? Là, votre bras va être ici, puis là, le haut va venir s'accoter ici, là. Et là, même principe, qu'on puisse passer notre tête dedans, si vous faites juste un trou, votre tête va être trop grosse, à moins que ça soit un enfant. Là, ça serait possible. Comptez à peu près dans le milieu de la carte, là. Et là, on fait un demi-cercle. Vous allez faire les lignes droites. Et on fait le tour. Ma parole, voilà, c'est fait. C'est lui que je vous suggère de faire en double, hein. Vous pouvez comme mettre deux épaisseurs. Comme ça va être plus solide.
Alors, une fois que tous vos morceaux sont faits, là, ben là, ils restent à coller ensemble, hein? Le devant, le derrière, on va vous le montrer tantôt, là, la porte qui ferme. Ou les deux côtés, qu'on a fait les trous, hein, pour mettre, évidemment, les bras. Et on retrouve ici le morceau double, où est-ce qu'on va rentrer la tête. Vous prenez du gaffeur, hein, et puis vous venez coller ça ensemble partout, là. Hein, parce que le gaffeur tape, travaille bien, puis il tient l'univers ensemble, tu sais. Gênez-vous pas d'en mettre bien épais, là, faut que ça tienne. Le morceau en arrière, vous le collez. Une fois qu'il est tout aligné comme ça, mettez un gros morceau de gaffeur, là, comme ça, puis après, vous allez voir, ma parole, ça ferme toute seule. Là, mais comment est-ce qu'on rentre là-dedans, mon grain? Hein? Ben, moi, ce que j'ai fait, là, j'ai créé un système de porte à velcro. J'ai mis des petits velcro. Vous hein? Voyez? Voilà. Hein? Puis la porte, elle ouvre. Ouvre la porte. Ferme la porte. Hein? Vous en collez sur l'extérieur. Deux lignes. Hein? Puis à l'intérieur, ici, là, ben, vous en attachez aussi deux autres. Hein? Vous allez pouvoir venir fermer votre costume. Hein? Chaque bonhomme Lego a un devant différent. Hein? Mais vous pouvez aller sur les internets, là, puis regarder les modèles qu'il y a disponibles. Mais là, c'est un petit sou de madame. Tu sais? Mais on peut aussi avoir un petit sou de monsieur. Regardez-moi ça, les pectoraux là-dessus. Hein? Tabarouette! Ils sont assez faciles à dessiner, là. Ouais. C'est moi qui l'ai fait, celle-là. Tu sais? Ça fait longtemps que j'ai pas été en forme comme ça, moi. Ensuite, bien, il faut sortir le tube. Hein? Puis là, on va le couper d'une grandeur à peu près, genre de même. Hein? Vous pouvez pas faire ça avec des ciseaux, là. C'est quand même solide, hein? Pour faire le dessus de la tête, là, on prend notre tronc comme ça, là, et on va aller le poser, hein, sur le dessus. Et là, vous allez mettre votre gaffer tape blanc pour tenir ça ici. Hein? Je sais pas si vous voyez comme il faut, là, mais j'en ai mis tout le tour. Hein? Comme ça, le dessus, là, il tient. Vous en souvenez, je vous ai parlé de la petite boîte, hein? La petite boîte que vous allez vous procurer au magasin de l'art. Toute votre belle boîte, là, vous allez la peinturer en jaune. Alors, on en met en masse, là. Puis, vous allez voir qu'il y a une couche, deux couches, pas assez, là. Gênez-vous pas, rajoutez-en 4-5, là, puis ça va être parfait, hein? Mais là, on va faire un schéma sur la boîte pour faire des mains. Vous allez faire un U, pareil comme le schéma ici. Ça va donner ça. Ben oui. Une fois que c'est coupé, là, ça ressemble à ça. Vous voyez? Ah, ben mon Dieu, c'est presque pareil. Fait que là, ce qu'on a fait, on a fait un trou ici, dans le dessus, pour passer la main. Dans le milieu, pour que ça tienne, on met un bâton, bord en bord, que j'ai vissé. Et là, vous allez pouvoir passer votre main. Et allez le tenir! Ben oui, regardez-moi ça! Tu l'as dans l'ego, moi, là? Ça s'en vient, hein? Fait que là, ben, une fois que les mains sont finies, ben, les visages aussi, hein? Regardez-moi, là, les deux belles faces qu'on a faites, hein? C'est-tu pas beau, ça? Encore une fois, on les a poignées sur les internets. Il y en a plein de modèles de faces, des faces LED, des faces belles. Là, vous voyez ici, celle-là, il y a une petite différence, hein? J'ai essayé de faire les contours ronds, mais conseil d'amis, faites-les pas, parce que ça marche pas. On dirait qu'il y a comme un toupette un peu à la Donald Trump, tu sais? Il ressemble un peu aussi. Là, vous allez dire, mais Greg, si tu mets ça sur la tête puis tu commences à passer l'Halloween, ça sera pas long que tu vas te faire ramasser par un char. ben oui, parce que tu verras rien. Vous allez pouvoir faire des trous dans le sonotube. Vous allez voir, ça fait un petit peu de minou, mais ça s'enlève. Je vous dirais de faire des trous quand même assez gros parce que, petit, on voit pas grand-chose. T'sais. Puis dans les marches, là. Alors, voilà, hein? Oui, regardez-moi ça, c'était Lego. C'est pas écœurant, hein? Merci d'avoir été là cette semaine, hein? Puis j'espère qu'on va se croiser dans la rue, là, puis qu'on va passer l'Halloween ensemble, puis que je vais avoir plein de Lego, hein, cette année. Ciao! 'Vrais dire un gros merci de partager les vidéos sur Facebook puis sur les réseaux sociaux, hein. C'est bien gentil, puis on a plein de monde. C'est rendu qu'on a du monde en France. On est rendu international, tu sais, là. T'es carré, hein? On a plein d'affaires en commun, en plus, avec nos cousins, les Français. Nous autres aussi, on dit parking, tu sais.